je pense que j'ai déjà la paix, j'ai retrouvé surtout l'emplacement pour mes activités. Moi, c'est Ngongambi Bernadette Dutt. Alors, c'est une amie qui m'a parlé du voyage. Alors, si je sors dehors hors du pays, je peux travailler mes ongles là-bas. C'est comme ça qu'elle m'a encouragée. Mais quand j'entre en route, je constate que c'est pas ça. C'est comme ça que j'ai été découragée, moi. J'ai dit, je signe ma députation, je rentre. En même temps, quand je perds l'enfant, on découvre que j'ai un début de myome. Donc, c'était pas facile pour moi. Je dois être trop patient, je n'ai personne. Je dois être forte, je suis obligée d'être forte. Je suis Herman Gogo, département protection, ici à l'OIM Cameroun. Nous avons plusieurs types d'assistance que nous apportons en fonction des cas. Donc chaque assistance que nous apportons est adaptée aux besoins de la personne. Pour son cas, il était question d'aller faire une consultation et le médecin traitant devait donner faire poser d'abord un diagnostic, n'était vraiment pas un bon point. Il fallait payer le médecin pour savoir qu'elle avait un problème. Elle aussi de bénéficier de beaucoup d'activités sociales, beaucoup plus de maintenir un contact tous les deux jours. Et durant ces séances, justement, on les briefe sur l'identification des signes de détresse et sur la gestion du stress lui-même. Nous avons aussi fourni un petit peu d'éducation pour savoir comment elle devra facilement développer sa résilience face à sa situation. Et je crois chaque mois, nous faisons une évaluation de ses besoins psychosociaux pour savoir si l'assistance que nous apportons est adaptée à la situation. Et j'ai eu les idées que seulement pour les hommes, ça ne me sera pas facile. Parce que j'ai perdu toutes les clientes et puis j'ai changé d'endroit. Pourquoi ne pas ajuster le petit maillot parce que je suis au bord de la mer? C'est comme ça que j'ai commencé à ajuster. Donc les détails de son projet ont été évoqués avec les conseils d'insertion de la jeunesse. C'est une fois il y a le projet mis en place que sont venus faire justement le suivi. Quand je suis rentrée, j'avais d'abord honte parce que je n'avais pas de moyens. Je ne savais pas par où commencer. Les moyens même, je n'avais pas. Même pour manger, ce n'était pas facile. Que là-dessus, nous aider les migrants à faire face à la stigmatisation et le sentiment de rejet de la communauté. Dès leur arrivée, nous avons instauré les centres de psycho-éducation. Une fois qu'ils reviennent, comme on dit souvent au quartier chez nous, avec les mains vides, le regard de la société. Parce qu'en partant, il avait promis un duplex et des gros cylindres à son retour. Mais là, il revient avec un plastique de OIM. Donc, c'est pas évident. Parce qu'il n'y a personne qui ne veut pas un avenir meilleur. On espère tous qu'il y ait un petit soleil demain.